on est, enfin, je suis à titre personnel rassuré évidemment que la ligne de Marine Le Pen, qui portait un programme qui pour moi aurait été catastrophique pour le pays, n'est pas recueilli la majorité évidemment. Pour autant, j'allais dire le plus dur commence pour Monsieur Macron, parce que il faudra maintenant qu'il soit à la hauteur du sujet et que sur un certain nombre de points, j'attends qu'il clarifie un peu son programme, parce que très clairement, la situation de la France, 1 200 000 chômeurs quand même après ce quinquennat supplémentaire par rapport à 2012, exige des mesures courageuses pour redresser le pays. Moi, je n'ai pas changé d'avis. Je pense toujours que le programme qui avait été le nôtre pendant la présidentielle et qui était porté par François Fillon était le plus à même justement de résoudre cette difficulté, cette montée de la pauvreté qu'on enregistre depuis maintenant de trop nombreuses années, qui explique d'ailleurs largement la montée des extrêmes, et pas seulement du vote Front National, mais aussi du vote Mélenchon. Je crois vraiment qu'il faudra s'attaquer au vrai sujet dans les semaines qui viennent. Alors, pour cela, justement, pour s'assurer qu'on s'attaque au vrai sujet, moi, simplement, ce à quoi j'appelle tout le monde, c'est à considérer que effectivement, il faudra se mobiliser pour les législatives. Elles auront une importance toute particulière cette année, et que les candidats de la droite et du centre, républicains et centre, sont les mieux à même de s'assurer justement que nous n'ayons pas avec le quinquennat Macron une sorte de copie un peu édulcorée de celui de M. Hollande. Alors s'attaquer aux législatives, mais avec quel programme pour la droite et le centre ? Avec un programme qui, pour l'essentiel, doit être celui qui a été porté à l'occasion des présidentielles, c'est-à-dire une libération des activités économiques, que d'aucuns appelleront l'ultralibéralisme, mais ça n'a pas de sens. C'est simplement ce qu'ont fait les autres pays européens, parce que si on veut de la justice sociale, il faut être capable de la financer. Aujourd'hui, on a les systèmes sociaux qui sont au bord de l'explosion, qui sont au bord de la rupture. Et donc, si nous voulons remettre dans la société un certain nombre de personnes qui, aujourd'hui, souffrent d'en être exclus, eh bien, il faut redonner du travail aux Français, il faut faire en sorte que les entrepreneurs puissent à nouveau créer des emplois et qu'on sorte de cette pauvreté grandissante dans laquelle nous enfonçons. Si vous voulez, le déclin de la France n'est pas inéluctable. Nous sommes un pays qui a de nombreux atouts et donc à nous de les mettre en œuvre, et on a pour ça besoin d'une dynamique nouvelle.